Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 28 juillet 2022. Alors, tout d'abord, euh, les informations générales. La Slovaquie envisage d'envoyer ses 11 derniers MiG-29 à l'Ukraine. Il y a eu une tentative du SBU, donc c'est le service secret ukrainien, de soudoyer des pilotes russes afin qu'ils atterrissent en territoire ukrainien avec leurs avions militaires, contre un passeport européen et 2 millions de dollars. Cela a été déjoué par le FSB russe. Le FSB, c'est le service secret de la Russie. Il y a eu une nouvelle vidéo sur un César détruit. Personnellement, je ne vois pas l'explosion, mais je vous partage la vidéo en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Et enfin, il y a eu un accord entre la Russie et l'Iran qui porte sur la réparation des avions russes endommagés et également sur des exportations de pièces détachées. Voilà pour les informations générales. Maintenant sur le terrain, dans le secteur de Kharkov, et tout d'abord dans la région de Belgorod, en Russie, un nouveau Bayraktar TB2 a été abattu. Sur la ligne de front de Kharkov, pas d'évolution sur les zones de contrôle. Néanmoins, les Ukrainiens ont repris quelques villages dans la zone grise, comme vous pouvez voir Oudi, Sosnivka, Prodianka et Pitomnik. Ces derniers ont reçu en renfort la 225e brigade territoriale, donc c'est euh, la milice, donc ils sont sur Pitomnik et sur Petrivka, donc voilà 225e brigade. Les Ukrainiens ont repris euh, Borshova, ici, et euh, pas d'évolution sur euh, les zones de contrôle, donc comme vous pouvez le constater. La ville de Kharkov a été bombardée euh, de nouveau ces derniers jours. Donc voilà, secteur plutôt euh, stable. Ensuite, on se dirige sur Izium. Alors, il y a quelques jours, on annonçait des IMARS dans la commune de Boudy, qui se trouve ici, au sud-ouest de Kharkov. Alors, aux dernières nouvelles, et je parle au conditionnel, ils se trouveraient dans la localité de Andrivka, ici, et au nombre de 3. Ensuite, sur Izium même, pas d'évolution sur euh, la ligne de front, sur le contrôle. De Nouvelles informations au sud-est de Izium, puisque les Ukrainiens ont repris les villages de Krasnopilia, Dolina, ici, et euh, ils auraient également lancé une attaque en direction du nord depuis Borodichne, ici. Donc c'est matérialisé avec la flèche orange. Donc maintenant je vais dézoomer pour bien vous montrer euh, où on se situe. Donc on est bien dans le Donbass, avec la République populaire de Luhansk au nord et la République populaire de Donetsk au sud. On va maintenant se porter sur Siversk, donc, qui est euh, sur le front de, de l'Est, dans le Donbass. Donc, ici, pas d'évolution depuis euh, lundi. Donc, toujours les villages de Serebianka, Iorivka et Vernomansky qui sont disputés, et également la ville de Siversk. On continue sur la ligne de front. Donc ici, de nouveau, des changements dans la zone grise, cette fois-ci au profit des Russes. Ont repris les villages de Berestovier et de Nairnie. Sur Soledar, même pas d'évolution, il y a toujours donc des combats dans la ville et plus particulièrement au sud, ici. Le groupe Wagner a pris le contrôle du village de Pokovskie, et ici. Donc, ici sont les nouvelles depuis le front de Bakhmut. Et l'information importante c'est que la poche de résistance ukrainienne a cédé ici puisque une fois de plus le groupe Wagner s'est emparé de la centrale thermique et de Novoluzhansky. Donc ils sont les deux secteurs ici sur la carte. Et sur Bakhmut, un Kamov 52, donc c'est un hélicoptère russe a été abattu et apparemment là aussi il a été abattu par sa propre DCA. Ensuite, on se dirige sur Donetsk. Donc sur Donetsk, Kamianka est toujours disputée. La ville de Donetsk a été bombardée et ainsi qu'un dépôt pétrolier qui a été touché par les bombardements. À l'ouest de Donetsk, il y a une avance russe donc qui est ici matérialisée avec cette flèche bleue. J'ai augmenté la zone grise ici en attente de confirmation de cette attaque terrestre. Et au nord de Donetsk, sur la commune de Orlivka, Orlivka qui se situe ici, une usine est en feu. On continue sur la ligne de front. Pas d'évolution dans le secteur de Vouledar, ici, par rapport à lundi. Sur le front de Zaporizhia, les Russes ont repris des villages dans la zone grise, là également, dans le secteur de Horikiv. comme vous pouvez voir sur euh, la carte. En plus des duels d'artillerie, ici, qui sont quotidiens. On va maintenant se porter sur euh, le dernier front de nikolaïv kerson donc qui se situe ici. On va commencer euh, par le nord. Donc ici il y a beaucoup de villages qui sont disputés et soient revendiqués par les deux parties. Donc, ils sont représentés en noir. Les Russes contrôlent le village de Visokopilia et les Ukrainiens contrôlent le village de Dobrianka. Ensuite on va se porter sur le secteur de David c'est là où il y a le plus d'intensité sur ce front. Il y a toujours donc des combats dans le, dans le village, ici et à proximité. Les Ukrainiens ont pris le contrôle du village de Bilo-Rivka et ont dernièrement repoussé une attaque des Russes sur le village. Lozovie est contesté et Andriivka est repassé sous contrôle des Ukrainiens. On continue, sur Sniorivka, il n'y a pas d'évolution, tout comme sur cette zone grise ici, qui est toujours revendiquée par les deux parties. Et ce, jusqu'au sud de Mikolaïv, ici en parlant de Mykolaïf, un dépôt de munitions a été détruit par les bombardements, donc par des tirs de missiles ainsi que la ville qui a été bombardée. Sur Kherson. Donc Kherson ici, je vais dézoomer pour bien vous montrer donc Kherson est sous contrôle des Russes. Le pont Antonovsky à l'est de la ville, donc qui est ici, a été de nouveau bombardé et euh, apparemment il n'est plus praticable. Et les Russes ont installé un ferry, donc à proximité de ce pont, pour le franchissement du fleuve. Enfin, à l'ouest de Kherson, il y a eu une tentative d'infiltration maritime des commandos ukrainiens, ici dans ce secteur. Et ces derniers ont été repérés et deux embarcations ont été détruites par les Russes. Enfin, pour terminer, la région d'Odessa qui a également été bombardée. Un incendie était en cours ce matin dans le port et le pont de Zatoka, donc ce fameux pont là qui a été euh, donc réparé, et le lendemain des réparations, deux nouveaux missiles se sont écrasés sur le pont. Par contre, on n'a pas euh, d'image ou de vidéo sur les dégâts. Donc voilà pour les informations. Donc en résumé, au 28 juillet 2022, dans les secteurs de Kharkov, Izium. Et Slavyansk, les Ukrainiens ont repris des villages dans les zones grises. Et également à noter une poussée ukrainienne au nord du village de Borodichne. Sur Siversk et Soledar, le front est stable. Sur Bakhmut, les Russes ont progressé au sud-est avec notamment la prise de la centrale thermique et de Novoloanskie. Sur Donetsk, il y a une attaque terrestre russe à l'ouest de la ville. Sur Zaporizhia, le, le front est stable, les Russes ont néanmoins repris quelques villages dans la zone grise. Et enfin, sur mykolaïf kherson les combats font rage, essentiellement dans le secteur de David-Hybrid. Sur Odessa, enfin et pour terminer, le pont de Zatoka a de nouveau été ciblé par des missiles russes. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt.